Salut les amis, alors là je vous filme ma promenade avec mon téléphone, hein, mon Redmi 9 Pro, et il fait très chaud. Je me permets de vous emmener avec moi si ça vous intéresse, et vous allez pouvoir profiter aussi de mes photos puisque je vais faire le public reportage en même temps. Le niveau de l'eau a baissé ici et ça devient un peu bizarre. Bon, comme vous pouvez le voir, la biodiversité ici s'annonce bonne pour cette année. Ils n'ont pas coupé partout, ils font en fait des univers beaucoup plus incroyables pour les animaux. C'est une très bonne nouvelle. Je pense que dans ce petit univers, les insectes et les petits animaux en fait se réfugient. Je viens de voir, donc c'est le quatre papillons que je viens de voir, donc ils sont heureux dans le secteur. Ça change un petit peu, hein, parce que la nature reprend un peu ses droits, ça fait du bien. On se croirait en 2020, quand tout le monde était enfermé, même les municipaux. Ici ça pousse, hein, c'est pareil, hein. Bon, c'est bien, c'est une très bonne nouvelle, hein. Moi je pense que la nature a besoin de reprendre un petit peu de peps pendant les périodes estivales. Allez, je vous laisse, je prends mes photos et vous les retrouvez sur la suite de la vidéo. Thank you.
Voilà, j'en finis avec ma promenade. Je constate que les nénuphars en fait fleurissent un petit peu. Il y a quelques petites fleurs qui sortent du petit étang et c'est sympa. Ça met de la couleur un petit peu. Les feuilles, certaines feuilles se relèvent carrément. C'est très original. Je comprends bien que comment les anciennes feuilles en fait sont remplacées par des nouvelles et du coup. La petite île est bien fournie. On voit quasiment rien au sol avec tous les fourrages qui restent stagnés pour la faune. Hein. Et ici, les roseaux sortent. Et c'est joli comme tout. En fait, j'adore cet univers, quoi. Voilà. Bon, allez, je vous fais profiter encore 2 minutes. Vous voyez, il y a les agrès pour les enfants, il y a les agrès pour les adultes. C'est vraiment l'univers idéal pour se promener. Et puis là, en plus, il y a du petit vent. Un petit vent qui est très sympathique, qui nous permet aux bêtes grasses de respirer un peu. C'est mon cas parce que du coup, je peux pas faire de sport ni de marche comme je faisais d'habitude. Donc voilà, j'ai toujours le poignet gauche avec une attelle. Donc c'est délicat quand même. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée. Salut!